que j'ai déjà dit à la télé. Ouais. Ils organisent un tournoi en ville, Out of Stock, le 15 juin, 96 places. Voilà, intéressant. Débat, regardez, Shield tiré du bas Hang sur Twitter pour avoir l'information. On a vu que qu'ils ont déjà fait la promotion de la faire. Ah bah c'est cool. Ouais, tu peux décaler un tout petit peu. On est bon, je suis au max. Ouais, et du coup, début du premier match, match d'ouverture de cette delay numéro 43. Et c'est parti tout de suite, Gérix qui n'hésite pas à être très agressif dès le début de match. Et ça nous a sorti une piranha plante hein. Piranha plante modée d'ailleurs, parce que il semble pas qu'il soit dans le jeu en effet. Mais en même temps c'est la suite du Murci, elle est bien bien modée. T'as remarqué que quand la plante piranha elle fait son rapide, c'est sa tête qui fait un... What? What? Si tu regardes, elle fait son rapide jab, sa tête elle fait en 360. C'est très étrange mais... Oh non, il est air dodge, il a cru qu'il allait devoir Rico le down tilt qui fait trip. C'est pratique. Ok, ça tente des deux bis, hein. On tape tellement le shield ce truc. Ça c'est de la douille par excellence, hein. Faut pas te faire chier. Ouais, ça passe. En plus c'est un single et tu fais forcément chier. Putain, c'est efficace. Ah, et je trouve la plante c'est vraiment un personnage qui... Un peu boss secret. Non, c'est pas fort justement. Ah ouais. Ça ne gagne que par des douilles et ça... Ouais, c'est vrai que ça gagne... Aucun neutral, aucun bien pour le personnage. Il gagne que à travers les douilles. Ça veut dire le bruit en ledge trap, pour revenir le... C'est le Downbeat je crois. Ouais, c'est le Downbeat. C'est le Downbeat qui marche très bien. Tu peux le spot dodge mais il faut vraiment avoir un trade. Le trade de stock. Le trade de stock qui est honnête. Hop, on est bon, l'euro s'est fait distribuer. Mars, la légende qui est à côté de Main Ganon. C'est le seul joueur de Lévi à Bordeaux. Ouais, non, respectable. Faut dire qu'il a du courage. Et du coup, ça va pas repartir sur... On parle en tant que personnage... Ça va pas repartir sur un trade de stock comme ça là, pas dès le départ. Ok, petit backer du côté de Viris qui a un peu l'avantage, hein. Il évite de se prendre des douilles un peu trop évidentes. Ouais, faut arrêter de faire des Pikachu, mais quand tu vois la plante de Rico comme ça, à la limite tu te mets juste devant le stage, mais là il dash et il downer, du coup il est pas dans l'angle. Ah ouais, même s'il avait le timing, etc., il aurait pas long. Après, tu short up et tu fais pile en dessous pour ton dernier. Okay. Parce que là si tu dash, du coup bah là t'es pas, t'as passé le ledge. Je vois. Et Mars qui va offstage, ils sont... Le B qui a touché les deux côtés, c'est pas mal. Le lash trap de... Faut dire que le lash trap de plante est avantageux, hein. Il devrait essayer de... Il est fort, hein, pour le... Ouais, le truc up to week ouvre quasiment plus. C'est le lash trap, bah comme t'as dit nous. En gros, c'est exactement comme le Gordo, c'est un plein d'options. Et du coup, on va devoir séparer ses timings pour pas se prendre le nouveau off-smash. Ouais. Et surtout, deux paroles. Il faut accepter le fait que tu vas toujours prendre des dégâts. Ouais. Juste pas prendre le combo. Qui fait mal et qui t'envoie au stage à partir de 90. Sa vie, c'est un peu pareil quand tu vas essayer de prendre le bébé charshot, le big charshot, plutôt que de prendre un backer ou un petit. Le backer et le petit sont pas des options viables. C'est. Oui, t'inquiète. Hop, ouais, excuse-moi, je te lève à 60. C'est... Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as normal get-up sur ma bombinette? Elle était morte. Ouais, ça commence sur le foot charshot. Ah ouais? Tu vois, t'as vu? Ah ouais, c'est. Ouais, c'est terrifiant, ouais. La tête de la plante, c'est un truc. Petite jab. Ouais, ça maintient un stage. Il tente des lèches frappes, c'est pas mal. Mars, tu veux le grab là, il y a fait ça. Ah ouais? Ouais, le grab. Ouais, voilà. Ouais, comme ça, trop, et c'est terminé. Ouais. Ok. Bonne agressivité du côté de personne quand même. Il arrive à pas trop cesser. Ah, il s'est endormi. Il s'est littéralement endormi dans le nuage. 38% comme ça, c'est bête. 61, allez, c'est plus 61, ouais, c'est. Suspense, monsieur. 90, mec, la boule, elle. Je suis pas d'accord que j'aime pas avec cette boule, c'est que toujours qu'elle a touché le sol, ouais. Elle est toujours aussi active. Ouais, elle est toujours aussi efficace. Quand il touche le sol, bah, il va très vite, il n'y a plus l'élan qui va lui lancer. Et malheureusement, cette tech est ratée du côté de Barst. Il perd sa deuxième stock là-dessus, ce serait con de perdre la game alors qu'il a une sacrée avance là. Ouais. Là, je pense qu'une bonne up throw et ça peut se terminer. Pour ça, je disais bien Barst. Le seeding en vrai. Bon, après, c'est seedé par rapport à d'autres personnes. Oui, c'est mauvaise sûr. DI. Et c'est surtout seedé pour éviter les grosses collides, genre les trois frères et sœurs, ce serait con. Ok, le petit nerf, le fer. C'est, je sais pas, genre ils sont forts, mais ils n'arrivent pas à perdre parce que j'ai l'impression qu'ils stressent. Il y a des mauvais match-up, il y a du stress, tout ça. Non, mais il y a ils sont forts, hein. Félix est vraiment fort. Jenix aussi, elle joue. Jenix joue vraiment, mais c'est juste qu'elle a des match-up de merde et en fait, elle est bien sûr la up throw. L'upstroke est très efficace, faut vraiment penser à spot dodge en peinture parce que la seconde du prends 330, c'est terminé, tu meurs. Tu meurs vite. Bon. Par contre, on est obligé de changer les scores. Hop. Heureusement, attends, on va pas voler notre travail avec l'IA ou je sais pas quoi.
lire... encore à quelque chose de moi. Non, t'inquiète, on sert encore, c'est juste qu'en fait on a un logiciel pour faire ça. Ça fait j'avais lu un truc. Ça fait longtemps qu'on supprime notre travail. Quand ils uploadent les sets sur YouTube, ouais. Dans les miniatures ils mettent les persos. Oui. Ils mettent aussi les noms des persos dans le titre pour l'algorithme, pour filtrer plus facilement les vidéos. Oh d'accord. Oui, à ce moment-là, autant mettre le... C'est pour ça que t'as deux joueurs entre parenthèses personnage. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça a l'air plus, c'est vrai que ça fait du sens en termes d'algorithme, ça fait du sens. Et du coup, ça va repartir sur un plan ou pas? Oui, ça repart sur un plan. La plante. Hop. Tac, tac, tac. Ah, de bon. Pour aider au référencement. Tintin qui bombarde sur le chat. Ah ouais? Qui utilise le chat pour la première fois. Bienvenue Tintin dans ce chat. Ok, le grab en. Comment il s'appelle ce mini d'ailleurs, le Down B? De trop. Le Down B là où il parle. J'ai pas le nom. J'appelle toujours Doudé. Je pense que ça s'appelle la douille par défaut. C'est vraiment ce que c'est. Le douillax. Le douilleur comme on l'appelle. Le pot de la douille. C'est ça. Mais ça essaye beaucoup de te dire un PS1 mais avec des autres trucs. Genre, drop le shield avant, genre des jabs. Ah, les T-Joins qui font chier. Non, il aurait dû les maintenir. Il aurait dû les maintenir, il aurait moyen de gratter un peu plus de pourcents sur cette interaction. Oh, ce fer qui déco sur le dernier coup, on aime voir ce genre d'interaction. Faut pas qu'il voit ce set à Zip, sinon ils vont voir sur le coup. À peine. Ok, petite dash attaque. T'attends pas le dash. Je pensais que c'est ça va être. C'est pas une très bonne air dodge, c'est une air dodge panique, mais du coup, il vient par cette tête, ça peut passer quoi. Ça peut passer, ça aurait pu être. Tech. La tech non, pas. Bah, c'est protect ça. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Surtout que le timing c'est toujours le même. C'est ça, ouais, ça pas non plus à côté. Une fois que t'as compté, instinctivement le nombre de coups, tu sais combien de fois tu vas te bloquer. Ok, après, le nerf. Après, il sort que Pikachu, tu peux tout seul sur son backer s'il passe pas, bah, ça va pas peser la tech. Oui. Tu vas juste air dodge dans le vide et tu vas mourir, mais comme c'est plante. Ouais, mais comme c'est plante, ça peut remonter quoi. Ça peut remonter sans problème. Ouais, ben là c'est surtout que. Ah, si il air dodge, oui. Si il air dodge, il peut remonter. Après, à partir du moment où t'es pas juste. Ouais, c'est. Oui, à partir du moment où t'as l'haricot de drague au feu, oui, c'est terminé. Oh, j'ai un peu de. Ça va. Je crois que je viens de me faire appeler. Oh, ok. Bon, ben on se souhaite bonne chance à Zap du coup pour son match. On le reverra tout à l'heure. Sur ce, je commente tout ça. Du coup, on a ce piqué qui clairement est agressif. Enfin, il essaie de prendre la stock. Il essaie de prendre la stock extrêmement vite, de tenter des jab lock. C'est bien coup de tort par barre. C'est bien qu'il prenne un back air. Attention. Alors, bien sûr, le donner et tout. C'est, comme l'avait dit Zaf tout à l'heure, c'est pas spécialement un bon strike. Entre l'angle qui est pas ouf, le fait qu'il est pas qu'il est mal brûlé très vite, parce que ce fer était bien calé. On peut voir que Barthes s'y attendait pas, c'est la première fois qu'il casse du 7, c'est efficace. Ce nerf smash bien sûr. Oh le grab qui touche très loin. Ok, le petit 2B en neutral. On apprécie. Je suis étonné mais on apprécie. Sa cover, bien sûr. Ça fait un Elgal à la bouille. Elgal à la bouille. Ok, le petit 2B qui est propre. Cette dash attaque dans le côté Paris, c'est dommage. Un petit backer aurait pu finir tout ça. Je pense qu'il avait prévu que ça ne cross-up pas, c'est dommage. Le petit tilt, attention, il est à 130, la moindre throw que tu es à ce niveau-là. Je pense qu'il va essayer de fiche pour. Ok, il se prend petit dot trop fair, bien sûr, le vrai dead butter de Picard. Et la douille à la smoke, comme on l'appelle. La putain de smoke avec les nuages de poison, c'est fourbe. C'est fourbe. Heureusement, il se le prend pas deux fois, il a raison. Il essaie de se sonner un peu avec des T-Joins, mais c'est pas ce qui va faire la différence, j'ai l'impression. C'est pas ce qui va faire la différence. Ok, le T-Join qui vient taper le coup de la plante. Oh, la petite boucle qui vient caler. Ah, c'est dommage. Ça aurait pu toucher. Parce qu'en bonne position, qui arrive à bien monter ce match. Attention, la moindre action et ça peut être terminé pour Overix. Surtout que mine de rien, plante, ça a du kill power. Faut pas sous-estimer. Faut surtout pas faire des actions trop laggy à ce niveau-là. Attention, le Don B, ok, la feinte, pas mal. Le T-Join qui permet de feinter un peu sur ce monde. Oh là, c'est dangereux. Le Don B, il le feinte, c'est pas mal. Il a cette capacité à feinte qui est stylée quand même. Et je ne comprendrai pas. Et maintenant que Zaf m'a fait remarquer que ce truc. Belle victoire de la part de Barthes qui arrive à finir au Neutral B, bien sûr. Le Neutral B toujours aussi efficace et qui tue à combien là? 130? Ouais, c'est un peu dégueulasse. Ouais. Non, je déconne, c'est honnête. Bon, sur ce beau match, qu'est-ce qui suit?